Bonjour à toutes et à tous, Ni Hao. Aujourd'hui, on se retrouve dans le village de Jiufen. On est toujours au nord de Taïwan. Jiufen, je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui connaissaient, dans le sens où Miyazaki s'en est beaucoup inspiré pour faire son œuvre Le Voyage de Chihiro. Mais il y a un autre film aussi qui a redonné de la popularité à ce village, à Jiufen. Il s'agit de La Cité des Douleurs. C'est un film qui est sorti en 1989 et qui traite de la Terreur Blanche. Pour la faire très simple, les Japonais ont colonisé Taïwan en 1895 et sont partis en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu une longue période d'instabilité politique ici à Taïwan. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails puisque je ne suis pas un expert et que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Si vous voulez des informations sur la Terreur Blanche, donc cette période qui s'est terminée assez récemment hein, puisque ça allait jusqu'en 1987, donc c'est quand même très récent, je vous conseille d'aller jeter un œil. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et nous, on va rester sur une note un petit peu plus positive puisqu'on va aller se balader. Là, il pleut. Donc il y a pas mal de petites lumières, pas mal de petites lanternes. C'est vraiment magnifique. On va aller dans la ruelle. On va manger quelques trucs puisqu'Amandine a faim, elle a envie de goûter des trucs et on va vous présenter Jiufen. On est parti. Évidemment, hein, marketing oblige, on a pas mal de goodies comme ça, surtout du Voyage de Chihiro, mais aussi d'autres œuvres de Miyazaki. Derrière là, on a Totoro. Donc, ils perdent pas le nord ici, hein. Faut faire de l'argent. Donc forcément, il y a pas mal de magasins un peu goodies, attrape-touristes entre guillemets, où ils vendent pas mal de trucs en rapport avec l'univers de l'animation japonaise. Alors, ça va sûrement se voir dans la vidéo, ici il y a énormément de monde à Jiufen. Jiufen est l'un des endroits les plus touristiques de Taïwan, voire même le plus touristique de Taïwan. Il attire un nombre incalculable de touristes et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec la pluie et avec la pandémie du Covid, forcément il y a beaucoup moins de monde puisque les touristes ne peuvent pas venir ici à Taïwan. Donc, on en profite. Il y a des endroits vraiment incroyables comme la grande maison de thé traditionnelle qu'on a juste derrière. Et on va attendre que le soleil se couche tranquillement puisque ici, quand il fait nuit, avec les lanternes rouges, l'ambiance est absolument féerique. On va aller se balader un petit peu et on va attendre tranquillement qu'il fasse noir. A tout de suite. Bon, je vous avoue que j'ai plus l'impression de jouer à un jeu vidéo où je dois éviter de prendre des coups de parapluie dans la tronche. On se croirait à Harajuku, la rue principale, là où il y a énormément de monde, tellement c'est blindé. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde malgré la pandémie et malgré la pluie. Mais c'est balèze, franchement c'est balèze. Alors, c'est une crêpe faite avec de la farine de riz majoritairement, de la nougatine, donc des cacahuètes grillées et caramélisées, une boule de vanille et une boule, je crois, de glace à la peanuts avec de la coriandre. Pas mal. Donc là, il y a un bloc de nougatine qui rabote en fait. Ouais. Impressionnant. A titre informatif, le village de Jiufen s'est développé économiquement après la découverte d'or. Ici, il y a eu pas mal de mines d'or. Donc ça s'est développé au début des années 1890 jusqu'au début des années 1970. Après la guerre, ça s'est un petit peu essoufflé jusqu'à ce que ça s'arrête complètement, donc au début des années 1970. Et après, c'est grâce au cinéma que le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Jiufen a retrouvé un peu de popularité comme ça. Et fort heureusement, ça nous permet de profiter de ce lieu qui est quand même vraiment magique et de ce genre de vue, c'est vraiment pas mal. Maintenant on va aller faire un petit tour, on va aller se poser dans une maison de thé traditionnelle et croyez-moi, ça vaut le détour. Bonjour. Ah mais c'est vraiment le sac à dos.
C'est vraiment pas mal. Comment tu fais, genre? C'est doux, c'est bien. En fait, du coup, vu que c'est la tempête dehors, j'avais très envie de venir dans cette maison traditionnelle, dans cette maison de thé traditionnelle, puisqu'on est venu là hier et qu'on a bu un très bon thé. Mais il y avait du saké sur la carte, donc on s'est dit, allez, on va se faire un petit saké. Et c'est vraiment pas mal. Du méchoum de saké, c'est du saké chinois, Taïwan. Et l'ambiance ici est absolument incroyable. On a une vue là sur la montagne et sur Jiufen. On a une petite musique d'ambiance traditionnelle. On va attendre que le soleil se couche entièrement. Là, c'est déjà pas mal, mais ça va être encore mieux d'ici une demi-heure. Ça, c'est une mélodie que j'ai beaucoup entendue quand j'étais en quarantaine, enfermé dans ma chambre. Et je croyais que c'était un camion de glace. Je me suis dit, oh là là, il y a des camions de glace qui traînent dans le quartier. Pas du tout. Il s'agit des camions poubelles. Voilà, quand ils viennent récupérer les ordures, quand ils viennent récupérer les poubelles et les vider, eh ben on a cette musique. Tous les soirs, on a cette musique. Ok, alors du coup on s'est réfugié dans ce petit restaurant où on est déjà venu manger hier soir. On sait que c'est très bon, ils font des nouilles. Donc, les nouilles en chinois c'est mien. Et voilà, là on a pris des... On a pris quoi? Wonton. Wonton mien. Et c'est une tuerie. Il y a beaucoup moins de monde là déjà, ça y est, il est 19h30. 19h30, il y a beaucoup moins de monde dans les rues de Jiufen. Donc on va vraiment pouvoir vous montrer ce qu'on voulait vous montrer. C'est merveilleux. L'unité là, c'est pas un bol énorme, mais à l'unité c'est 1,50€. Ce qui est. Enfin, c'est aberrant. 1,50€. On s'est mis sur le pouce. C'est tellement chaud. Il a plu à torrent toute la journée, du coup là les gens sont partis, on est le soir, je sais pas à quelle heure ils éteignent les lanternes, s'ils les éteignent, mais du coup, vu qu'il y a personne, on va faire quelques plans, je pense que c'est assez exceptionnel de voir Jiufen comme ça, sans personne, on doit être genre, je sais pas, une vingtaine à tout péter, on va faire quelques images avant de rentrer à l'hôtel, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses de Jiufen la nuit quand il y a quasiment personne? Oh, c'est génial. C'est cool, hein? On sent vraiment privilégié. C'est pour ça que j'ai pris 3 nuits en fait. C'est vrai. Parce que je te dis, la nuit de dimanche à lundi, il va y avoir personne. Mmh. Il pleut à torrent. Ouais. Mais au moins, il y a personne et on en profite et c'est juste super mystique, quoi. C'est trop bien. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment super content d'être ici à Jiufen. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que c'est vrai que je suis pas mal de photographes, notamment sur Instagram et les réseaux. Et Jiufen, comme c'est un lieu très touristique, il y a pas mal de gens qui viennent et qui font des photos. Et je trouve ça toujours très, très marrant, très intéressant de venir sur ces lieux touristiques et de découvrir ce qu'ils sont vraiment. Je m'attendais pas vraiment à ça. Et en fait, Jiufen, si vous voulez, vous avez 2 rues principales. Donc la rue là où on a fait toutes les images avec toutes les lanternes assez plates. Et cette rue là qui est plutôt verticale en fait, donc vous avez toute une rue horizontale et toute une rue verticale, ça fait une sorte de croix en fait, et Jiufen, donc c'est ça, et c'est vraiment super stylé, il y a beaucoup de trucs à manger, on n'a même pas pu tout faire encore. Ouais, c'est grand hein. En fait, il y a tellement de restaurants, de snacks, de street food, que même là on a fait 3 jours pour le dîner, déjeuner, les 4h du matin, les 4h du soir, les 4h de l'après-midi, on n'a pas tout mangé encore, on n'a pas tout testé. Heureusement qu'il nous reste demain. S'il pleut pas trop, parce que demain, s'il fait ce temps-là avec les valises, on va se marrer.
est l'heure pour nous de retourner à notre hôtel. Enfin, à notre hôtel, c'est même pas un hôtel. En fait, c'est un. C'est quoi? C'est une guest house? Tout simplement. Ouais, un B&B, bed and breakfast. Voilà, un B&B, bed and breakfast. Et en fait, on est chez un couple, en fait, deux petits grands-parents qui habitent à même la montagne, en fait. Nos hôtes ont une maison absolument fantastique et très singulière, donc on va vous montrer ça. Donc comme vous le voyez, on est dans un bed and breakfast, donc on est littéralement chez les gens. Donc voilà, il y a un couple de petits grands-parents qui ont leur maison, et en fait ils ont quelques chambres là-haut qu'ils louent, et c'est juste fantastique d'être ici et de vivre avec eux, en fait, dans leur vie, dans la vie des locaux. C'est fantastique. On va vous montrer la chambre. Regardez un peu, donc là on est vraiment à flanc de montagne, on peut pas faire plus comment dire, plus authentique, quoi. Et le deuxième étage, le premier étage pardon, ils l'ont fait pour accueillir des voyageurs. Bon, c'est un petit peu le bazar, je m'excuse par avance parce que je vais chercher des affaires là pour retourner tourner ce soir. Mais, oh, parce que t'inquiète, c'est pas grave. Je vais vous mettre tous les liens en description des restaurants qu'on a bien aimés et aussi de cette guest house, en fait, parce que les deux petits grands-parents sont adorables et que leur maison, c'est juste... c'est un truc de fou, en fait. Si vous avez le choix entre ici et un hôtel, franchement, choisissez ici. On est tout en haut de la rue, en fait, de la rue principale, on est tout au bout. Donc avec les bagages et tout pour monter les escaliers, c'est vrai que c'est pas forcément facile, surtout s'il fait un seul temps, mais ça vaut vraiment le coup pour l'expérience. Et en plus, ils ont leur petit déj le matin et c'est une tuerie. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à Taïwan dans ce nouveau format, voilà, Taïwan en live. Ça y est, on y est, on en profite. À très bientôt, ciao, peace.